Ouais, un pirate comme vous, quoi. Il faudrait une caméra juste là qui filme ce qui se passe derrière parce qu'on verrait toutes les conneries que je suis obligé de supporter pendant que j'essaie d'être sérieux. Je sais pas où, mais on va le mettre. Je pense qu'on va avoir un truc comme ça dans le bêtisier. Scène numéro 1, prise numéro 3. Attention, nous sommes sur la scène de bis version Jack. Prise numéro 1. Maman, je passais la télé. Ouais. C'est un peu vert. On retirera ça au montage. D'accord. Je sens tellement le chat faire une connerie avant de partir. Tu pues le chat, tu pues le chat. Ok. Mais vous pourriez aussi en devenir un. Et j'ai pas la suite. C'est les trois épreuves. Mais c'est ça. Toi, c'est dur quand t'écris pas le texte. T'es obligé de manger toi à ce moment. Ça va être. Imitation du chat. Version Jack. Est-ce que vous avez de l'argent? Ben, j'ai la carte bancaire de la prod. Je préfère le liquide. Mon Dieu. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Ouh là là. Vous pourriez aussi devenir pirate. Mais pour ça, il vous faut passer 3 épreuves. Mais. Merde, putain, mais je l'ai pas alors. Je l'ai absolument plus. J'ai la carte bancaire de la prod. Non, je préfère le liquide. Ça fait pervers narcissique. Oui, mais liquide avec le rhum, ça va bien. Ouais, quoi. C'est bon. Scène 2, troisième. Hé, hey, on y croit. Ouais. Vive les jeux. Oui. Troisième, on y croit. Ah merde, j'ai pas la bonne page. Bah, attends, qui parle de la bonne page. C'est bon, j'ai la page. Super, on est sauvés. Parce que je le vaux bien. Attends, je mets ma petite ça. Cette émission est sponsorisée par L'Oréal. Mon futur sponsor pourra éviter l'article 13. En attendant, c'est la scène 2, version Jack, après le numéro 2. Qui sont les gars là? Bon, allez, prise numéro 2. D'accord, mais vous parliez de Guybrush Threepwood. Threepwood. Wood. Mais non. C'est con, mais là j'ai pas pu. J'ai pas pu. Parce que je m'imagine pour le faire. Oui. Vu que je sais pas le dire et qu'à chaque fois il articule mal. Bon, elle est loupée celle-là. Je n'ai pas pu m'empêcher que vous parliez de pirates. Il se trouve que j'en suis un très célèbre. Je n'ai pas pu... Oh. Il y a un truc qui n'allait pas dans la phrase, là. Des pirates comme vous, je suppose. Mais attends, j'ai zappé la ligne. J'étais en train de penser à la connerie. Ouais, c'est bon, j'enfile un costume. Hein. Bah, tant que c'est que le costume que tu enfiles, ça va. Bon, alors, je reprends. Mais je préfère le liquide. Ah, si j'ai besoin d'un lapin crétin, chez qui appeler? Attends, pour tes montages. C'est de numéro 2, prise de numéro 3. Bon. Pour le prochain épisode, il me faut un cow-boy, un indien. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous mentionnez Guybrush Threepwood. Poule, poule. Mais... On était prêts. Oh putain.
Elle était bien. Elle était bien. Et malheureusement, j'ai commencé par le bêtisier, je crois que ce sera plus simple à monter. Ouais, du coup il y aura commençons plus rien. Commençons par le bêtisier, vous allez tout être spoilé, mais c'est pas grave. Vidéo 30 minutes, bêtisier, démerde-toi. Attends. Attends, je mange mes cheveux. Oui, t'as raison, vas-y, fais un petit tour. Vous verrez, elle est parfaite. Désolé, c'était dur. Je vais reprendre mon billet. Attends, faut que je les ramasse, moi. Parce que du coup, je les jette. C'est dur. Oui, c'est parfait. C'est la tenue des grands débuts. Du... T'as fini. J'ai marre. On gagne de l'argent sur YouTube, regardez. YouTube Money. Oh, pénèse, c'est de la YouTube Money. Ah bah oui, c'est la vraie YouTube Money, elle vaut rien. C'est de l'espécimen. C'est de la YouTube Money. Il y a plein de cheveux dedans. Oh, pénèse. La nouvelle direction, enfin, je veux dire le nouveau conseil des pirates. Je suis en train de bouffer mes cheveux. Attends, ça partait bien, mais je bouffe mes cheveux. D'accord. Tenez, prenez ceci. Un casque ? C'est pour la troisième... C'est pour la... Je suis déjà à la troisième épreuve. Bon. Tu n'as rien entendu. Donc, monnaie, prise numéro 1. Ah, cœur, love. Encore une. Vas-y, pour la postérité. Attends. Coup de perle. Et reviens. C'est la perle boomerang. C'est une technique spéciale, c'est que j'ai level up. C'est tout. N'achetez jamais vos costumes chez Kiabi. Oh, placement de produit. 50€. Il est par là. Allez, on va voir ça. Il y est arrivé. Le roi lion. Le pauvre. Pardon. Il s'agit de voler le marteau de Thor. Tu m'as flingué ma réplique. Oh, je voulais tellement la balancer. Et de balancer le marteau, tu vas voir. Non mais n'aie pas peur de moi, je suis pas si violent. En plus, c'est lui qui a le marteau, quoi. C'est vrai, sois réaliste. C'est moi qui ai le marteau, c'est de l'autre que t'as peur. C'est ça, votre marteau? Ah! Non, c'était celui-là. Un vrai pigeon, celui-là. Je peux pas. Je viens pas péter réellement la gueule. Pourquoi tu t'es pas jeté là-dessus et que t'as fait pas fait de la place de base? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il va se lancer où, ce con? Bah ouais, j'ai décidé de me lancer là où ça fait mal parce que j'ai glissé, en fait. J'ai glissé, chef. Attends, je regarde mon bandeau. Le bandeau, parce qu'il le vaut bien. Mickey, tu as le micro? Je pense que ça veut dire oui. Ah! Les spéciaux de merde. On fait avec les moyens, on n'est pas Disney, hein.